problème qui est identifié, c'est des problèmes que nous avons rencontrés régulièrement dans la gestion aide publique au développement. Qui sont des contre-problèmes? Parce que tout d'abord, il y a des barrières différentes. Il y a une BID, il y a une Banque mondiale, il y a l'autre qui n'est pas là, ou bien FIDAC qui n'est pas là, et l'autre type de coopération canadienne, coopération américaine. Mais chaque barrière, ça, il y a une procédure. Il y a une procédure qui je vous pose, qui je vous présente. Il y a un délai pour le projet à passer dans le conseil d'administration pour approuver. Et puis, l'autre tourné qu'on est là, il y a chaque procédure pour faire passation de marché, pour faire appel d'offres, pour exécuter le projet. Donc, ça fait des délais très longs. Et des fois, je nous seul ministère qui a géré à la fois et BID, et Banque mondiale, et FIDA. Avec des procédures différentes, avec des délais plus ou moins longs, avec des objectifs différents. Donc, objectif pour ça, que nous faisons premièrement avec les deux institutions sérieuses, qui ça c'est les deux institutions sérieuses, parce que c'est eux-mêmes qui poussent intervenir dans le projet qui a été exécuté, que ce soit le ministère éducation nationale, construction d'école, le ministère et santé publique, construction d'hôpital, le ministère de la République avec le programme construction de route, avec programme d'INEPA et l'eau et assainissement, avec des programmes tout de réaménagement de quartier après le tremblement de terre là, qui sont gérés dans différentes entités, soit avec le ministère de l'Intérieur et collectivité territoriale, soit avec le ministère et économie et finance. Donc ça fait trois centres de décision. Et ça fait être la vie paraître que pas efficace et ça vient paraître que c'est nous-mêmes en Haïti qui a un problème que nous ne pouvons pas absorber l'aide là. Alors que compte tenu de quantité de besoin de rien, donc les urbains nous copent, sont bail qui t'a pas disparu pour nous utiliser rapidement. Donc qui s'est sorti? Tout le monde pose des problèmes, bailleurs pose des problèmes, entités pose des problèmes, et nous arrivons à des conclusions que y a des documents uniques que nous pouvons préparer. Par exemple, il y a des méthodes uniques de passation de marché. Donc, on passe au marché pour BID ou bien pour Banque mondiale, c'est le même document qu'on a gagné. L'équipe technique n'a pas besoin de travailler sur deux documents différents parce que c'est deux barrières différentes. Donc, on est arrivé dans la première étape, ça, on va harmoniser la procédure au niveau de barrières. Et nous-mêmes, tout, au niveau de ministère, nous allons renforcer, ça y aurait les unités d'études et de programmation, UEP, le ministère qui a dépensé. Parce que l'unité ça a presque disparu dans le ministère. Et c'est eux-mêmes qui pour prendre le projet, faire le premier étudiant, préparer le dossier pour transmettre les barrières pour le financement. Et puis après ça, c'est eux-mêmes qui pour gérer l'appel d'offres. Et après ça, c'est eux-mêmes qui pour suivre l'exécution du projet. Pour voir si la marché vite pour remonter des questions. Donc nous-mêmes de notre côté, nous prenons résolution pour, à travers le ministère de la planification, qui va coordonner tout réseau unité de crédit de programmation, pour nous renforcer, pour nous-mêmes, nous avons une capacité d'analyse et de production de dossiers plus rapide, et puis avec une capacité d'exécution et de supervision plus rapide, tout, pour nous permettre d'utiliser comme vous êtes à disposition plus rapide. Voilà. Et les problèmes sont nombreux. Maintenant, standardiser les documents et renforcer les UEP, est-ce vraiment les seules solutions qui ont été proposées pendant 3 jours? Oui, il y a d'autres solutions qui ont été proposées, mais toutes ont viré autour de deux freins, ça, qui sont des freins structurels qu'il faut adresser. Procédure longue et puis incapacité de notre côté pour nous gagner des études de projet qui prêtent à l'avance. Quand ça leur dit qu'il n'y a pas le bon coblat, nous tournons ce projet à Bali. Mais qui s'est arrivé, il était déjà inscrit dans le programme gouvernement, nous pouvons l'inscrire dans le budget, nous, libre, mais sans besoin de venir là, c'est seulement mettre les fonds à disposition pour commencer l'exécution.